concernant ce sport ou chirurgien, oui. Sans parler de joueur à garde. Oui. Duquel? Ça, vous saurez demain. La fin de match, ou demain, donc vous saurez demain. Autre question? Coach, donc, on va à 4 jours du début de notre compétition. Quel bilan faites-vous? Donc, les deux stages, l'équipe a eu les deux stages, donc le premier et le deuxième, on a vu. Nous sommes à 3 à 4 jours du début de notre compétition. Quel bilan faites-vous? Un bilan de stage, c'est un peu ridicule, mais on va en faire un. Le premier, j'étais pas forcément là. Mais ça a permis déjà de commencer à travailler physiquement. Le deuxième stage a été beaucoup plus difficile au niveau du boulot. Donc, travail fait. Globalement, je suis satisfait du comportement, de l'investissement des joueurs. Satisfait aussi de l'hébergement. Enfin, il était vraiment mis en œuvre là-bas pour. On travaille bien, et je pense que c'est ce qu'on a fait là-bas. Toujours dans les futurs coachs. Pardon ? Qu'est-ce qu'il y a des joueurs que vous comptez récupérer ou bien vous avez maintenant fait l'effectif qui a effectué les deux stages ? Je ne sais pas. On verra demain. Encore une journée. Nous avons en fait maintenant Laurence qui va affronter Sarah Saint-Denis. Oui, je l'ai. On ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir aujourd'hui. Vous auriez pu, mais non. Je ne vais pas donner des infos quand même. Je l'ai. Vous êtes à votre première expérience en Algérie. Est-ce que vous avez une idée déjà sur le premier adversaire? Vous avez demandé des renseignements? Merci de la question. Oui, j'ai eu le renseignement, le max, on a essayé d'avoir le max de renseignements. Justement, donc, on s'est vertu à contrecarrer les plans, vous allez voir, même si je sais que c'est une très bonne équipe. Donc, ça n'a pas été facile, on a réussi à avoir un peu près leur schéma tactique, avec leur qualité. Et leurs défauts, donc on va continuer cette semaine à travailler là-dessus. L'absence, malheureusement, vous pouvez bien sûr dérouler la somme sur les supporters présents du micro. L'idée du plutôt. Bah, c'est déjà un grand regret pour les supporters, ça c'est sûr et certain. Après, c'est vrai que les joueurs attendent avec impatience de rentrer dans ce stade plein, sentir l'ambiance, l'atmosphère. On n'a pas le choix, c'est que partir au mise, donc on va être patient, mais ça ne s'empêchera pas qu'il faudra faire un résultat de rentrer avec 100 personnes dans le stade. Au moins quand on sortira, et surtout on essaiera de voir les supporters fiers de nous, c'est, on fera le maximum pour ça. Prochain, on sait que Fiston est venu ici à Tizouzou, vous étiez en Allemagne, vous vouliez le voir à l'œuvre, vous l'avez vu. Mmh. Est-ce qu'on peut connaître votre avis sur ce joueur qui vient de signer, donc il... Vous verrez demain. Il va y avoir des surprises demain. Sur le site du club, vous verrez. Plein de surprises. Oui, vas-y. Bon, par rapport à la libération d'Enmouden, parce que dans la famille que c'est le coach du mois qui a libéré le joueur, oui. Peut-on savoir les raisons? Non. C'est mes raisons, c'est mon choix. Je n'ai pas besoin de me justifier ou quoi que ce soit, c'est mon choix. Vous êtes réputé pour communiquer, bonjour. J'ai pas le temps aujourd'hui, je vous dis franchement, j'étais en réunion, j'ai pas le temps. Voilà. Donc je viens par respect pour le club, j'ai plein de choses à faire. Donc je suis venu, je suis désolé, mais c'était pas prévu que j'ai autant de temps avec vous. Et je connais vos questions à l'avance et j'ai encore une journée pour y répondre fermement. Donc voilà, je ne vais pas dévoiler, il y a plein de choses qui sont sur les journaux, quoi que ce soit, qui m'énervent un peu, on va dire. Voilà, donc dorénavant, si vous voulez savoir la vérité, laissez-moi finir, monsieur. Vous irez sur le site du club, dorénavant, il y aura un mot. Vous voulez savoir la vérité, allez sur le site du club. D'accord? Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire, allez dessus. Merci.
Et là, à moi avoir affaire à quelques journalistes. Oui. Pierre, où est-ce qu'il y a une conférence vendredi? C'est moi qui demande. Si vous êtes pas énervé, on sera encore plus nombreux des journalistes. Et le pire, c'est moi qui vous demande. Ah, t'as pris. À quelle heure? 15h. Ah, il y a la prière. À 15h. Ah, ouais. À 15h, c'est temps. Le matin. Essayez plutôt. Le matin, d'accord. Le matin? Non, non, ça à 11h. 11h, c'est bon. C'est les dégâts. Eh ben voilà, 11h. À 15h, c'est trop. Oui, 11h. Vendredi 11h? Oui. 11h. C'est bon. Oui. Ici. 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 Moi, bien. C'est bien. Il fait un peu chaud, monsieur. Merci. Non, mais pourquoi est-ce que c'est juste. القاسمي محمد السعيد سكتي زيوزو.